Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Sainte-Suzanne, une cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France et située dans le département de la Mayenne, en région Pays de la Loire. Aujourd'hui, vous allez découvrir un lieu historique et de superbes panoramas. C'est parti! Sainte-Suzanne, appelée également la Perle du Maine, est perchée sur un piton rocheux et domine la vallée de l'Erve. Cette commune a été fortifiée au XIe siècle et a résisté à Guillaume le Conquérant entre 1083 et 1086. Par contre, ce sont les Anglais qui ont envahi Sainte-Suzanne lors de la guerre de Cent Ans en la bombardant depuis cette colline, la colline du Tertre-Gagne. On se trouve à présent dans la cité médiévale où vous découvrirez de superbes ruelles fleuries, mais également le château entré dans l'histoire lors de la vaine tentative de Guillaume le Conquérant pour s'en emparer. Ce château fort a été construit au XIe siècle et les remparts comme ceux de la cité médiévale sont classés monuments historiques depuis 1862. Lors de votre visite, vous pourrez également découvrir le camp des Anglais, un camp retranché qui a servi de base aux troupes de Guillaume le Conquérant, situé à 800 mètres du donjon, mais vous pourrez également voir le grand moulin qui se situe juste derrière moi. Il s'agit de l'ancien moulin des seigneurs de Sainte-Suzanne et il était utilisé pour moudre le grain du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Et pour la petite anecdote, c'est le seul moulin de France qui, à partir de la même roue, fabrique de la farine, du papier et de l'électricité. On termine notre visite à quelques kilomètres de Sainte-Suzanne au dolmen des Herbes. Le dolmen des Herbes est l'un des monuments mégalithiques les plus connus de la Mayenne. De récentes fouilles archéologiques révèlent des origines datées de 5 à 6 siècles avant Jésus-Christ, ce qui en fait le monument mayennais le plus ancien. Voilà, vous savez tout de ce superbe village, alors je vous dis à très vite pour un prochain voyage fétiche.